Bon, pendant ce temps-là, je vais regarder le JT. Bonsoir, nous interrompons nos programmes pour vous faire communiquer un événement qui s'est passé à 22h30. Jacques Vitreuil s'est évadé à l'aide d'un complice qui a menacé les gardiens de la prison des Baumettes à Marseille avec un fusil de chasse, avec quoi il a causé plusieurs dégâts, notamment quelques blessés. Mais surtout, une prison détériorée, comme la porte de l'entrée de la prison refaite cet été, criblée de balles. Des vitres cassées, des voitures garées à côté de la prison ont été endommagées, d'autres ont explosé. Elle est jolie, l'administration. 22h30. Alors que le moment est calme dans les alentours de la prison, un homme surgit devant l'entrée principale, tire un premier coup sur les caméras de surveillance. C'est à ce moment-là que les gardiens répliquent et que le tireur leur tire dessus. La bataille commence. Ah là, je dois dire que c'est pas marrant. C'est exact. Écoutez, on n'a pas d'autres informations concernant le profil du suspect qui est en cours d'identification. Les choses qui nous ont été dévoilées, c'est que le tireur a tout d'abord détruit les caméras de surveillance. Grâce au bruit, les gardiens sont sortis en trombe. Et c'est à ce moment-là que le suspect les a menacés, s'est emparé de leurs uniformes, les a menottés et les a laissés en caleçon dans le froid. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Non, tu crois, franchement? Bienvenue au 19-20, présenté par moi. À ce propos, que faisiez-vous ici? Nous poursuivons notre 19-20 avec, bien sûr, le duplex grand attendu avec François Fillon. Mais tout d'abord, c'est bien sûr l'envoyé spécial. Allez, c'est parti. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Le débat pour les élections, pour les primaires, est très dur, en effet. Nous allons être opposés à François Fillon et à Alain Juppé. Concernant le débat, ça va être très dur pour l'élection. Qui va remporter? Mais je sais pas. Donc, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Facebook, tout ça, sur la vidéo. Ciao. Salut, à demain, si on veut bien.